Salut à tous, une vidéo sur la Manjaro Linux Mate 1.14. C'est en complément à un article de blog que je vous mettrai dans le descriptif concernant l'état pitoyable du port de Mate sur Arch Linux. Il faut savoir que depuis le mois d'avril, Mate 1.14 n'a toujours pas été porté, ça fait déjà 3 mois. Je me demande quand est-ce que les mainteneurs qui restent vont se dire bon, on le fout sur AUR, on n'en parle plus. Bref. Si vous voulez récupérer l'ISO de Manjaro Mate 1.14, c'est une ISO basée sur Manjaro Unstable, comme c'est précisé. We used Unstable Branch to create these ISO images. Donc là, je vous mettrai aussi le lien dans le descriptif. Elle est sortie au mois de mai, donc en gros, ça va faire 2 mois et demi. Je voulais voir comment elle s'en tirait au bout de 2 mois et demi. Bref, on est parti. Ah, c'est bon, j'ai activé le FI. Donc vous voyez, c'est le truc classique. Et on est bon. Donc là, on va démarrer le FI. Bon, il démarre tout seul sur la partie default. Le FI est un peu long à démarrer. Donc ça, on va réduire. Oui, je voulais j'ai envie de faire cette vidéo pour savoir si vraiment est encore utilisable. Et on va surtout pour avoir quelque chose, si vous recherchez une base Arch Linux avec un Mate récent, plus récent que celui qui est officiellement, peut-être que ce sera peut-être l'option que vous pourrez choisir. Peut-être. Bref. C'est de l'UFI, c'est normal que ce soit en démarré. Pardon. Voilà, il démarre enfin. La branch unstable, c'est en gros la synchronisation de Manjaro avec l'Arch Linux stable. Pour donner une autre idée. Donc si vous avez une Arch Linux stable, vous avez à peu de choses près, modulo le noyau et 2-3 trucs, équivalent à l'Arch Linux. Donc là, je vais passer en plein écran. Tenez la vieillesse de l'ISO, elle a quand même 2 mois et demi. Les mises à jour post-install risquent d'être un peu plus ennuyeuses à faire. Allez, démarre. J'ai pas que ça à faire. Voilà, t'es gentil. Comment tu veux pour te charger ma vieille? Voilà, t'es gentille. Donc vous ne tenez pas le curseur, il y a un léger problème. Il y a un léger problème avec le curseur. C'est ce problème là, c'est un problème qui est lié à VirtualBox 5.1.0 et 5.1.2, je ne sais pas pourquoi. Donc, trêve de bavardage, on va directement lancer Calamares. C'est une version pré-2.3, 2.2, enfin 2.2 quelque chose. Bon, pas grave, on va lancer maintenant. J'ai pas voulu se lancer Manjaro Welcome. Voilà. Donc, c'est la version, presque une version 2.3 de Calamares. La version 2.3 sera la version officielle de la Manjaro 1608 alias Elada. Donc zut, que je ne me gourre pas. Je veux le clavier en français, merci, ça sera mieux. Là j'ai pris l'UFI pour justement voir comment il gère l'UFI. On pourrait chiffrer le système, mais bon, pour ce simple essai, je ne vais pas chiffrer. Et là on crée les trucs classiques. Voilà, clac clac. Suivant. Donc pendant qu'il s'installe, on va voir quelle version de Manjaro est utilisée. Est-ce que c'est la
GTK 2 ou la GTK 3, ce serait bien que ce soit la GTK 3, ne serait-ce que pour être raccord avec le futur, pour si cette ISO devient un jour officielle, que les mises à jour ne soient pas chiantissimes à faire. Donc on va chercher Mathé. Aïe 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 aïe. C'est la version GTK 2. Donc si on veut avoir la version GTK 3, ça risque de faire cacouna dans la colle. Voilà. Donc on va, en espérant que l'installation ne soit pas trop longue à faire. Bon, la partie la plus chiante, c'est entre les 27 et 50%. Donc là, il y en a bien pour 3 minutes. D'ailleurs, si vous regardez bien, il y a un problème avec le jeu d'icônes fournies, c'est que l'icône homme est presque invisible. Vert sur vert, on n'y voit que du feu. Donc ça, c'est peut-être un problème d'affichage. Bon, c'est pas mortel, mais ça peut être ennuyeux si on a des problèmes pour distinguer certaines nuances. Une couleur qui est un peu plus tranchée comme un bleu, ça aurait été un peu mieux. Bon, ouais, c'est pas mortel, mais ça peut être ennuyeux à l'utilisation. Ça avance, ça avance, ça avance, faut pas. Désespéré. Allez, avance. Si vous pouvez améliorer ce point dans Calamares, ça serait parfait.
C'est là qu'on commence à perdre un peu patience. Ah, ça y est, il est gentil. Je crois qu'il avait fini cet enfoiré. Méchant, bah! Méfant, t'es pas buste! Quand il veut, hein. Bon, je sais pas s'il est pas planté cet enfoiré. On croirait une mise à jour de Windows 7 vers Windows 10. Ah non, autant pour moi. J'ai rien dit. Et maintenant, tel un coureur cycliste dopé comme un Richard Virenque ou un Lance Armstrong, il fonce. Contre l'antidopage. On se croirait sur le tour en 1980, Tour de France en 98 avec l'affaire Festina d'un seul coup. Ouais, mais je crois que le contrôle antidopage a été fonctionnel.
C'est avance quand je recule. Comment veux-tu que je mette mon pull? Non mais c'est une vidéo qui n'est pas interdite au moins de 18 ans après tout. Allez, c'est bon. Maintenant, on va jouer Windows et on va mettre 3 heures pour les 25 derniers pourcents. Il est très bien qu'elle m'arrête, mais cette version est un peu lente. À moins que ce soit un bug de notre ami VirtualBox. Voilà, t'es gentil. Allez, fais ton coureur cycliste. Allez, sois gentil. Fais ton dopé du Tour de France. Allez, vas-y, monte la côte du Mont Ventoux à 45 à l'heure. Vas-y, c'est bien. Mais c'est vrai, aujourd'hui c'est le dernier jour, enfin que j'enregistre la vidéo, le dernier jour du Tour de France. Faut s'adapter. Pas du Tour de France 2016, faut mieux s'adapter. Allez, t'es gentil. Voilà, c'est bon, maintenant on va redémarrer. Tu vas prendre ta dose de PO, mon petit. Allez, t'es gentil, hein? Et après, tu vas aller pisser dans le flacon. Voilà, donc on est redémarre, on démarre sous la Manjaro maté. Qui est un noyau 4411, donc il y a déjà le noyau 4415 qui va arriver. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on caquette, on dit 4-4. À moins qu'on se fasse pousser des plumes, non, bref. Donc là, je vais essayer de faire la mise à jour en graphique. Essayer. Voilà. Je me demande pourquoi il y a cet empâté de bugs qui rend le curseur monstrueusement moche. Bref, potentiellement corrigé dans une version future de VirtualBox 5.1. Donc voilà, notre Manjaro Maté est installé. Maintenant, on va passer avec PAMAC. Gestionnaire de paquets. Le Manjaro Welcome, on va le fermer pour le moment. Alors, voilà les préférences. La première chose qu'on va faire, c'est d'actualiser la liste des miroirs. Comme ça, on aura une installation. Oui, c'est des points stables. Comme ça, on aura une installation un peu plus rapide des mises à jour. Et les deux premiers paquets que je vais mettre à jour, c'est Arch Linux Keyring et Manjaro Keyring, pour que les clés de GPG soient mises à jour. Sinon, ça risque de. Il risque pas de content. Pas content du tout. Donc bien sûr, on peut vérifier que les dépôts utilisateurs, enfin les répertoires utilisateurs sont bien en branch service, n'est-ce pas? Voilà, t'es gentil. Il n'y en a plus qu'une de mise à jour disponible. Dans les 2 ou 300 plus que dans les une. Une seule. Ben voyons, c'est cela, oui, c'est cela, oui. Là, par contre, peut-être qu'il a besoin d'un petit peu de PO, là. La synchronisation des paquets. Sur le coup, là, elle n'est pas super rapide. Bien sûr, on pourrait passer par une de commande, mais comme on est en graphique, j'ai envie de la jouer graphique.
Allez, avance. Je suis pas pourtant RTC, là je suis en BDSL2, donc pourquoi c'est aussi lent? Pourtant pas 15 trillions de trucs à récupérer. Allez, avance, avance, avance. Voilà, on y est presque. Il est gentil. On est presque arrivé à la fin de la torture. Il est gentil, hein? Voilà, il est gentil. Il va pas répondre sans pas fait. C'est donc petit système. Voilà, terminal maté. D'accord, il n'y a pas exkill. Bah, puisque PAMAC a l'air. On va recommencer la mise à jour de la base des données. Voilà! Manjaro Keyring, superbe! Comme ça, au moins, ce sera fait. Fermé. Il y a 600 mégas à récupérer. Voilà, voilà, voilà. Oh la vache, regardez-moi tout ça. C'est normal aussi, il y a 3 mois de mise à jour entre temps, hein. Enfin, presque 3 mois. Les paquets libres 32, merci. Merci Steam et compagnie. Parce que je crois qu'il y a Steam préinstallé. Apparemment, peut-être Steam n'est pas préinstallé, mais. Enfin, c'est du multilib par défaut, donc l'état. Donc si on pouvait avoir l'affichage, ce serait bien. D'accord, je ne sais pas où je peux. Voilà, détail. Ah ben ça va déjà un peu plus vite. 600 mégas en gros un CD. C'est dommage qu'il n'y ait pas une image ISO entre-temps parce que ça aurait peut-être été pas si mal que ça. Donc après on va faire redémarrer pour voir ce que ça donne et pour voir déjà si l'ISO est encore utilisable, enfin, le système est encore utilisable. Si c'est le cas, on tentera le tout pour le tout et l'installation de la version GTK 3, histoire de rigoler un peu. Mais par contre, moi je vais sans GTK 3, on sera obligé de passer par ligne de commande, sinon ça va partir en cacahuète dans tous les sens. Dommage. Bon, c'est la version de PMAX, je pense que ce sera pas la dernière version. Oh, c'est une version plus, ça, un peu plus ancienne de PMAX. La dernière version, c'est la 4.1. Donc une version plus récente que celle-là. Donc il va y avoir PMAX dans le paquet.
C'est bon, il installe les trucs. Oui. Donc, on va passer au terme Vertex Maya. Les nouvelles icônes introduites à l'époque de Daniela et qui vont être officialisées pour la Manjaro et l'Ada. Donc, il n'y a que 253 paquets à installer. Cool. Par contre, ce qui est chiant, c'est ce côté mélange libre 32, version 64 bits, mélange libre 32. Pour les personnes qui n'utilisent ni Steam, ni Skype ou autre, c'est chiant quoi. Enfin, c'est pas mortel, mais ça bouffe un peu de place. Après, on verra si on peut mettre si l'outil des 32. Si on peut faire tranquillement les mises à jour, si l'ensemble reste utilisable. En tout cas, ça se met à jour, c'est déjà ça de pris. C'est pas comme certaines ISO communautaires de Manjaro dont je tirais le nom. Dont la mise à jour est déconseillée parce que tout part en cacahuète. Dommage. Maintenant, il va mettre les paquets en place. Je me demande quel logiciel d'audio parce que j'ai pas fait gaffe. On utilise Praga? Oui, pourquoi pas. Donc là, c'est assez rapide, ça va demander 3-4 minutes. Alors, les mises à jour seront plus rapides que l'installation en elle-même. Ça arrive. Donc on change de noyau aussi, toujours dans le menu LTS, mais on monte de 4 versions, ce qui est pas si mal que ça. De ça, j'ai poussé un peu le bouchon en mettant une version EFI de l'installation. En mode BIOS, ça serait aussi bien passé, mais déjà,
ça permet de voir la solidité de Calamares avec le un chipset UEFI à la place d'un chipset BIOS sur nos cartes mères. Donc tout se passait bien pour le moment, en croisant les doigts et les orteils aussi au passage. Et bien sûr, je me suis fait avoir. Allez, voilà. Voilà. Je me suis fait avoir par le verrouillage de l'écran. Je me demande pourquoi il y a toujours Plymouth. Bon, s'ils veulent lui proposer, pourquoi pas, mais ça ralentit plus qu'autre chose le démarrage. Si ça cache toute la partie un peu tuyauterie de l'ensemble, pourquoi pas? Mais apparemment, c'est même pratique de savoir où ça en est en cas de problème. Je dis ça, hein. Mais je ne dis rien. Voilà, 5 paquets et on a terminé. Oui, enfin presque, après il y a encore la génération des manuels et la post-configuration, mais en gros le plus dur est fait. Par contre, externe, je pense qu'on peut le faire gicler, il ne sert pas à grand chose au final. Sauf quand ma T-terminal part en cacahuète, mais c'est rarissime. Et là, c'est donc...
aussi long que la primo-installation. Enfin, pas autant, mais ça donne une impression de longueur. Il y avait 247 mises à jour disponibles. Voilà. J'aurais presque envie de tuer le processus MANDB, mais je lui dis non, c'est pas bien. C'est pas bien. J'en crève d'envie. Il m'énerve. C'est pas bien, mais voilà. Il m'a énervé. Je ne sais pas bien, mais j'en avais marre d'attendre. Voilà, c'est bon. C'est terminé. Allez, ferme-toi. Et maintenant, on va dans le paquet orphelin. On peut virer ça. Étant donné que ce sont des paquets qui ne servent plus à rien du tout, autant leur dire au revoir. Allez, encore deux. Ça fait déjà une cinquantaine de mégas de récupérer. Ouais, même plus. 54 mégas de récupérer. C'est bon? Il n'y a plus de paquet orphelin? Très bien, on va redémarrer l'ensemble. Pour faire prendre en compte nos noyaux. Et voir ce que donne l'ensemble en post-install. Et en post-mise à jour, bien sûr. Normalement, on devrait avoir maté 1.14.1 à jour en GTK2 avec un ensemble quand même des plus utilisables. Et là, on va se retrouver avec encore un bug d'affichage. Enfin, un bug, c'est un bien grand mot, mais quelque chose qui est un brin casse-bonbon. Allez, démarre. Tu vas démarrer, oui. Bon. Voilà, vert sur vert, on n'y voit que du feu. Il faut vraiment le voir, hein, parce que là, si on ne sait pas qu'il y a l'icône ici, ouf, bon. Donc là, on va finir en installant les traductions. Manjaro, gestionnaire de paramètres. Donc, on va installer les paquets linguistiques. Pour compléter l'installation. C'est le plus rapide. Hein. Bon, donc les noyaux, on a un noyau en temps réel, pourquoi pas. Par contre, c'est un noyau qui pourrait peut-être disparaître. Le 3.19, je crois que c'est celui d'une Ubuntu qui va bientôt arriver en fin de vie. Le 4.5.7 est en fin de vie ou presque, donc peut-être qu'il y a un noyau qui pourrait gicler dans les non-LTS. Donc, on va voir ce que ça donne. On va lancer notre ami LibreOffice pour voir si c'est bien passé en Französisch.
Donc c'est bon, le thème passe pas trop mal. Donc version 5.0, version LibreOffice dist style. Alors on va voir maintenant Firefox. Bon, mais sur les icônes, tous les goûts sont dans la nature, mais l'icône de la corbeille, je la trouve moche. Bref. Les coups et les douleurs, ça ne se discute pas. Là, par contre, pas en plein écran, merci. Donc, c'est Firefox 47 en français. On va rajouter l'indispensable outil de protection des yeux. Donc dans les griffons, il va y avoir Flash, je suppose. Non, il n'y a pas Flash préinstallé. Très bien. Désolé, je tiens à la santé de ma rétine. Voilà. Donc, ah, c'est bon pour comme ça. Donc apparemment, ça reste utilisable. Hein. Il n'y a rien de... Je vois rien qui soit cassé. Ça reste franchement utilisable. Donc on va le faire passer... Là, bon, en gros pour vous dire, ça reste utilisable. Là. Je vois pas ce qui est explosé en vol. Tout reste utilisable. Côté consommation d'espace disque... Donc c'est bon pour ça. Tout l'écran, vous voyez, ça fonctionne très bien quoi. Là, c'est vraiment l'utilisable. Alors, côté espace disque, 7 gigas. Donc je vais faire un petit vidage de cache avec une commande très simple, yaourt-scc. Et on arrive à 4,7 Go. Vous voyez quand même pas 5 gigas, on a un bon ensemble. Donc on va essayer de passer l'ensemble en GTK3. Pour ce faire, il faut d'abord se déconnecter. Mais pas déconnecter d'autre manière. Il faut désactiver l'ADM. Alors, sudo systemctl, stop, lightdm, plymos. Ah, c'est le nom de l'ADM, là. Vous allez voir. Voilà. Donc là, je vais utiliser la commande. Moi, je vais taper Alt F2. Je me connecte en utilisateur standard. Et là, c'est un peu chiant parce que j'ai fait la manipulation avant. Il faut faire aucune erreur de frappe, sinon on doit recommencer à zéro. Par contre, il faut commencer par virer Maté et Maté Extra. Là, par contre, dans un premier temps, à cause d'un conflit entre un paquet en version 1.12 et en version 1.14, je vais installer que Maté GTK3. J'installerai des paquets extra en redémarrage. Mais je peux vous dire que je me suis bien compliqué la vie pour y arriver. Parce que j'ai fait des essais auparavant. Hein. Je ne suis pas parti la fleur au fusil. Le man page est toujours un peu long. Là, j'ai juste désactivé temporairement l'IDM. Ne vous inquiétez pas, au démarrage suivant, quand je vais redémarrer l'ensemble, l'IDM se chargera. Il m'énerve. Bah. C'est pas bien, mais je vais encore lui forcer la main. Là, j'ai fait Alt F3, hein, pour les personnes qui se posent la question.
appuyer la commande Alt F3. Ah zut! Vous voyez, il y a un problème là, si on ne fait pas gaffe. Alors, sudo kill moins 9. Voilà, comme ça au moins. Voilà! Je sais, c'est pas bien. Et maintenant, on fait yaourt moins S. Donc là, je vais fermer la session, j'en ai plus besoin. On va faire exit. Yaourt moins S, maté. GTK3. Ça va installer la base de ma GTK3. Et enfin, on va faire un sudo reboot pour installer les paquets manquants en graphique. Parce qu'il y a un conflit entre maté netspeed et maté applet. Dommage. Du moins en version GTK3. Là, on voit déjà qu'il y a un petit problème de thème. Allez, recommence à me casser les noix, ManDB. Non, mais ManDB est une purge par rapport à ça. C'est une purge, une purge, une purge. S'il me casse trop les cacahuètes, ça va vite être réglé cette histoire. Hein. Allez, Alt F3. PS moins. Ah zut, PS moins. ManDB. Je sais, il ne faut pas faire ça, mais quand ça vous bloque. Mince! Ah, zut! Je sais pas pourquoi c'est aussi pourri ça. Pour ça, mais sudo kill moins 9. Je sais qu'il y a beaucoup de puristes qui vont hurler. Mais. Voilà, on fait sudo reboot et je m'occuperai des ManDB au démarrage suivant pour qu'ils nous foutent la paix. Voilà, donc Grub se lance. Et normalement, on devrait avoir un maté 1.14.1 minimal en GTK3. Donné que maté GTK3 est quand même bien avancé, ça serait ennuyeux de s'en passer. Donc l'affichage est un peu explosé, c'est normal, parce qu'apparemment, voilà, l'affichage est un peu bizarroïde. C'est pas bien grave, on corrigera ça par la suite. La première chose que je vais faire, c'est m'occuper de ManDB pour qu'il me foute la paix. C'est-à-dire qu'on va... Ah oui, c'est vrai, comme je n'ai pas encore maté terminal, j'ai bien fait de ne pas virer ça. Maté terminal étant fourni avec les maté extra. Alors, on fait sudo ManDB. Voilà. Comme ça va nous générer toutes les pages manquantes. Voilà. C'est pour ça que c'est un peu long. Pendant ce temps-là. Voilà. J'ai bien fait de ne pas virer externe finalement. Donc on va chercher maté extra GTK3. Voilà. On a l'ensemble des paquets qu'on va installer. Une fois que... Voilà.
Ah oui, il y a une tour qui manque. Donc automatiquement, c'est pour ça que... Allez, vas-y, continue. Voilà. Donc il manque des man-pages. Donc c'est normal. C'est pour ça que ça prend une éternité à faire. Là, si on regarde dans la liste, il y a Matenet Speed qui est en version 1.12, qui entre en conflit avec Maté Applets, qui est en version 1.14. Pim, pim, pim. Et c'est un bon gros conflit qu'on ne peut résoudre, on peut pas résoudre facilement, enfin, sans passer par, PAMAC. Bon, en masquant. Donc, je vais commencer par mettre le thème. Vertex, on va mettre Vertex GTK 3. Donc, la version GTK 3 uniquement, appliquer. Le problème là, ça prend une éternité, c'est à cause de ça. Donc, on va dans les préférences, apparence, apparence. Donc, on va reprendre Vertex Maya. Dark. Voilà. Maya Square. Non. On va regarder Maria, Vertex Maya tout court, enfin Dark, ce sera plus joli à l'apparence. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Bien sûr, c'est pas le thème 100% officiel, mais ça fait moins moche. C'est quoi ça? Donc c'est OK. Alors, quand est-ce qu'il va avoir fini lui? Vous comprenez pourquoi? Bon. Moins quiet. Donc on va profiter, on va tout sélectionner pendant ce temps-là. Mais par contre, on va faire installer, mais on va décocher Maté NetSpeed. Et on va appliquer. Non mais MandDB, c'est une horreur, il casse bonbon comme c'est pas possible. Et il ralentit tout, c'est incroyable. Là, ça me... Il ralentit toute forme d'installation. Donc on va fermer ça. Ça prend plus de temps à MandDB qu'autre chose. C'est ça qui est chiantissime. Donc on va essayer de récupérer le logo Maté. Parce qu'avant le thème GTK 3 n'est pas encore 100% compatible. J'ai quand même envie de récupérer le joli code Maté au lieu du pied Gnome. Bof quoi. Donc on va dans personnaliser. Couleur, bordure de fenêtre. Peut-être qu'avec Menta. Ou Maté tout court. Voilà. Bon, bien sûr, on n'a pas le thème d'icône officiel, mais au moins on a récupéré le bouton Maté. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va recommencer. Il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. On va recommencer. Bon, aléa du direct. Aléa du direct. Alors, on va installer celui-là. Autant pour moi, mais il avait pris du retard.
Bon, mais il installe tout apparemment. Autant pour moi, j'ai mal vu. Donc apparemment, tout est installé. Il avait dû être ralenti quelque part. Donc on va voir ça. Oui, donc on a plus de main, donc c'est bon. Dommage par contre que le thème GTK3 ne soit pas 100% compatible. C'est pour ça aussi que il n'avait pas proposé Mate GTK3. Enfin, le thème officiel de Manjaro, Vertex, n'est pas 100% compatible GTK3 pour le moment apparemment. Sinon voilà quoi, ça fonctionne. Hein. C'est bien Mate 1.14. Hein. Côté moniteur système, on va l'avoir là. Moniteur système, il est où? Programmation peut-être. Je sais plus où les passer, c'est en pas fait maintenant. Peut-être qu'il est planqué dans votre zoo. Le principal, peut-être qu'il est planqué dans la configuration de. C'est bête. Voilà, moniteur système maté de décalage sous mes yeux. Donc là, on a bien. Donc vous voyez, il ne mange pas grand chose, il manque 500 mégas. Voilà, nous avons 1.14.1, GTK3. Voilà, voilà. Donc, mis à part le. Bon, je vais éteindre, si maintenant c'est plus la peine. Je vais vous montrer le passage qui est un peu casse-bonbon. Donc là, on va passer en plein écran. Non, c'est bon, l'a éteint ? Oui. Donc, mis à part. On peut dire. Le problème de thème au niveau de GTK3. Voilà. Mis à part le problème de thème au niveau de GTK3, désolé pour la désynchronisation, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est pas trop mal. Dommage qu'Arch Linux n'ait pas décidé de. Enfin, n'ait pas encore mis en route Mate 1.14. Sur ce, je vous laisse. Désolé encore une fois pour la désynchronisation. A plus.